plus Talents Suisse Romande, en rendez-vous ici chaque week-end après 14h dans la zone rouge. Et nous allons parler aujourd'hui du talent de Grand Papatra et Nocti. Salut les gars. Yeah, salut. Bienvenue super. Dans la zone rouge. Vous venez notamment présenter votre album qui s'appelle Top Secret. Ouais, et exactement. On va d'ailleurs écouter un extrait de votre talent. Avant ça, parlons un petit peu de vous et Nocti, un nom qu'on connaît bien sur la scène du hip-hop régional. Ça fait un moment que tu tournes. Ouais, ça fait un petit moment que je tourne. Ça fait un moment. On fait les choses, quoi. On essaie de travailler à droite à gauche puisque justement on n'a pas forcément le support des majors. Mm-hmm. Donc on fait le taf sur le terrain par nous-mêmes et c'est pour ça que finalement le nom il entend. Donc quand j'arrive ici et qu'on me dit que tu connais mon nom, ça fait plaisir. Bon, ça veut dire que le taf s'est fait. Dans la scène, tu te rappelles de tes tout débuts, les premiers textes que tu as posés? Ouais. Il y a eu du chemin depuis? Ah ouais, il y a eu du chemin depuis puisque les premiers textes que j'ai posés, si tu veux, moi ça fait à peu près 20 ans que je fais du rap. Mm-hmm. Et je viens d'une époque où quand tu rappais mal, bah, il y avait des anciens pour dire de terre. Tu vois ce que je veux dire? Ah, tu t'es pris des claques un peu? Ah, j'en ai pris pas mal, j'en ai pris énormément. Mais t'as appris? Ah ouais, j'ai appris, c'est à ça que ça sert. Mais aujourd'hui, malheureusement, les petits, ils apprennent plus rien. D'accord. C'est ça la différence. Tu les secoues pas derrière toi? Ah non, 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 parce qu'ils sont arrogants. Si tu les secoues, ils comprennent pas, ils aiment pas et ils acceptent pas. Donc très critique sur la génération? Non, mais... Enfin, si, en même temps, ouais. Ouais, ouais, mais ça fait du bien d'être critique, tu vois. Ma mère, elle est très critique sur moi. Et ça t'aide? Ouais, ça m'aide énormément. Comment je fais pour marcher droit si on me dit pas que je marche de travers? Alors, Top Secret, c'est le nom de votre album. Justement, quelles sont un peu les thématiques que vous abordez dedans? Les thématiques, c'est la vie, en fait. Comme je dis, la plupart du temps, bon, là c'est personnel, puisque comme c'est moi qui écris et Tra qui fait les sons, donc là, les thématiques, c'est vraiment moi. Et en fait, moi, je suis un nègre dans le monde et qui comprend pas ce monde. Donc, mes thématiques, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qui devrait être, ce qui devrait se faire et ce qui se fait pas. Pareil, donne-nous un exemple d'un truc qui t'a vraiment énervé ou t'as dit, là, il faut réagir, il faut dire les choses. Waouh, en ce moment il y en a plein, tu regardes la télé, mais ce qui se passe, ce qui m'énerve, c'est que ça fait 10 piges qu'on dit ça. Et quand tu parles de quelque chose de concret, comme par exemple la crise ou le nouvel ordre mondial, quand on en parlait il y a 10 ans, on rigolait. Mm-hmm. Quand Wu-Tang, ils arrivaient avec leur message que les gens anglophones, ils comprenaient, ils se moquaient un peu d'eux, alors que RZA, il avait complètement raison, et c'est tout ce qui est en train de se passer, ça s'est dit il y a 10-15 ans. Dans l'hip-hop, on en parle depuis longtemps, KRS-One, il en parle depuis longtemps. D'accord, Tra, tu t'occupes donc de tout ce qui est instrumental. Ça va dans quel sens? Il pose les textes, tu poses les sons ou l'inverse? Non, alors je fais les sons d'abord et je lui propose tout ça. Après, lui il écoute, il choisit, on marche au coup de cœur, on cherche des ambiances et voilà. Après, on regarde ce qui marche et voilà. Alors je vous propose de découvrir votre talent tout de suite en live. Le titre que tu as choisi? C'est Elefanto. Qui parle? Qui parle d'un éléphant, parce que ce qu'on fait c'est éléphant, tu vois, c'est éléphantesque. C'est du lourd. Donc voilà, exactement. C'est, du lourd, c'est pas des pitbulls, c'est des éléphants. C'est du lourd et ça trompe personne. Exactement, c'est ça. C'est bien joué. Oh. C'était facile. Bon, on va l'écouter donc. Ça se passe dans la zone rouge, c'est du live. Et hey, 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 Noctai, Papa Casse, Grand Papa Tra, Hard Life, Top Secret, l'album, dors pas, Rouge FM, Big Up, pour l'invite, ça qu'on fait, Swiss Extreme Management, qu'est-ce qui se passe au stage? Charge, je te vois dormir, hein. Yeah, ok. Écoute, j'ai un texte dans le crâne, une bombe dans la main, la dalle comme 10, j'y grandi dans le vin, un son qui existe pas, original, tu sais bien, les gars t'ont dit de crève, mais moi je dis viens, bois pas dans mon jus, tire pas sur mon spliff, m'offre pas de cocaïne, non, la mort c'est pas le trip, Noctis tout le monde, ici c'est partout, pas de barreaux, pas de frontières, comme 113 c'est tout, donne un peu le dièse, chie sur ton bloc, respecte bien tes boucles, c'est ça que j'appelle force, les gars qui parlent fort, les premiers qui se taisent, tu respectes pas les pauvres, mais c'est les premier kid best, dealer, hey, Rouge FM, ça qu'on fait, non? Incroyable talent, t'as dit. Grand Papa Tra, Noctai, Papa Kaz, on continue les choses. Yay, écoute bien, t'attendais pas à ça de moi? Crois-le, moi non plus. C'est Grand Papa Tra, est-ce qu'il bouge chez ton cul? Ma gale, t'es trop fraîche, pour toi, j'ai pas de clip. Mais couvre-toi un peu, derrière moi, y'a l'équipe. C'est tous des lions, ici c'est Zion. Le diable nous veut tous, pour ça c'est jungle. Donc moi, mais d'aller, on danse pas, et quand on se trouve dans les cordes, c'est pour rigoler, toi, t'as le fond, t'as la forme. Reconnais Kaznek, moi c'est pas un pitbull, mais c'est un éléphant que je traîne. Comprends qu'on vient loin et qu'on a pas fini le taf. Regarde bien West Indies, toute l'Afrique on se met en place. Mon pote est qu'une comédie, mais on est plein à mettre du love dans le truc. Dealer, j'aime voir tes parodies. Et même je paye pour tes parodies. Pour deux secondes, fais-moi rire chez moi, c'est ton bruit, ouais, ça qu'on fait.
Nocti, arrête la zone rouge, bravo. Super, tranquille. 20 ans d'expérience, ça s'entend. 20 ans d'expérience, tu vois, ça sert à quelque chose de prendre des refs. Ça s'entend, bravo à toi. Donc on le rappelle, tout ça à retrouver compilé dans Top Secret. Exactement, votre album Top avec Secret. Grand Papa Truck, voilà. On peut trouver partout. Partout, on le trouve même en France maintenant, c'est dans les FNAC et tout ça. Et puis il se passe quelque chose parce que les gens qui viennent de ce milieu, ils savent que ça c'est la crème. D'accord. Non, c'est raison. Et puis il y a des clips aussi à les mater. Ouais, il y a les clips. Il y a Nous On Est Loin qui est déjà sorti sur YouTube depuis un petit moment, qui a bien tourné. Il a quoi, 5000, 6000 vues bientôt. Il y a Le Secret, non, comment ? Gospel, pardon. Gospel qui vient d'arriver. Gospel parce que c'est le secret, Top Secret. Donc Gospel qui est arrivé. Et puis là, bientôt, il va y avoir Bienvenue chez les Vivants. Donc voilà, avec Tofit, j'aimerais bien, ça travaille, on n'arrête pas, on n'arrête pas, Votre site c'est hardlifeseries.com. Hardlifeseries.com. Et partage les liens aussi. Ouais. On partage les liens sur notre facebook.com/zonerouge.fr. Merci les gars d'être venus nous présenter votre talent. Yow. Rendez-vous dans 20 ans, tu vas continuer. Ah, je vais continuer. Jusqu'à la mort. Ça se trouve, tu seras pas là, je serai là encore. Je te le souhaite en tout cas. Ça, merci Nocti, merci. Ok, merci à vous, casse dédié à Bebrand quand même. D'être venu dans la zone talent. Et si vous aussi vous avez du talent, on est là, on vous présente chaque week-end, ça se passe par mail. Zone@jfm.com. Bon week-end. Big up, merci. Yes sir. Reste pas sur place, tu sais que l'eau qui stagne, croupit, devient poison. C'est là que le meilleur vient fuir. C'est marche ou crève, évolue ou meurt ou pire. Vire de bord, des morts vivants, l'uniforme, des mains, des manques affectifs de bande de...